Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo thématique. Donc, je vais présenter la liste des livres que j'ai prévus pour lire pendant la période automnale et on va commencer. Les livres que je vais vous présenter là, il s'agit des livres que je veux absolument lire pendant l'automne, mais c'est sûr que ce ne seront pas les seuls puisque j'en ai que 5 en fait, que je trouve appropriés à cette saison qui me donne envie de faire tout cocon. Et qu'il faut aussi absolument que je lise. Le premier livre que je vais vous présenter pour cette pile de l'automne, il s'agit des Étoiles de Nos Head, le troisième tome Accomplissement, donc de Sophie Jomain et qui est aux éditions J'ai lu. Donc les Étoiles de Nos Head, ça se passe en Écosse, donc je trouve que c'est le pays idéal pour l'automne. Donc l'automne n'a pas commencé depuis très longtemps, mais en fait moi je l'ai déjà commencé, en fait je l'ai commencé hier au moment où je filme cette vidéo, donc je pense que je l'aurai fini par le moment où je la posterai parce que, vous voyez, en un jour j'ai lu plus de 300 pages, je suis vraiment à fond dedans. En plus, le livre est vraiment parfait pour cette période parce que les premiers chapitres se déroulent durant l'été, puis après on passe directement au 5 octobre, donc qui est en pile, mais vraiment pile dans la période automnale. Donc on est en accord avec la saison du roman et franchement, ce tome-ci, il est aussi bien que les autres, surtout après le méga cliffhanger du tome 2. Donc pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire, le premier tome de cette série se concentrait sur Anna, qui est une jeune française dont les parents sont écossais et qui du coup va passer l'été en Écosse à Wick. Et là elle y rencontre Lys, qui est un jeune homme vraiment très très beau, mais aussi très mystérieux. Du coup on a toute leur histoire. Le premier tome faisait un peu penser à Twilight, c'est le genre vraiment basique de romance paranormale, excepté que je trouve que Anna est vraiment un personnage très fort, que j'aime vraiment beaucoup. Le deuxième tome était parti dans une voie complètement différente et nous avait laissé sur notre fin. Ah, franchement, la fin c'était l'énorme cliffhanger et là on continue sur cette suite et Anna en bave un petit peu quand même. Donc voilà. Donc il y a toujours autant d'action, un petit peu de romance, mais finalement c'est pas le cœur de l'histoire je trouve dans ce tome-ci. Beaucoup d'action et beaucoup de connaissances sur les créatures des étoiles des insectes tout simplement. On apprend plus un peu encore dans leurs origines, etc. Donc voilà, donc je sais pas comment ça va se finir. Je crois que c'est une fin fermée pour celui-là, donc d'un côté tant mieux. Donc voilà, je suis vraiment, mais vraiment en passion, là je suis à fond dedans. Donc, qui dit automne dit forcément début des cours et du coup j'avais envie d'une romance universitaire et donc j'ai choisi The Deal. De 1 parce que depuis que je l'ai vu en sortie, il me donne extrêmement envie. Ensuite, je l'ai acheté et là, j'ai qu'une envie, c'est de le lire et je trouve que l'automne est parfait pour lire ça parce que rentrée universitaire quoi. Donc, dans ce tome-ci, on retrouve encore une jeune fille qui s'appelle Anna. Et Anna est une jeune fille très sérieuse, très scolaire et qui a réussi le test que n'a pas réussi Garrett, l'idole de l'université, joueur dans l'équipe de hockey de l'université, etc. et qui se retrouve bien embêté parce qu'il n'a pas réussi cet fameux examen et qui doit à tout prix le réussir pour continuer à faire partie de l'équipe, je crois. Et donc il décide de passer un deal, d'où le nom du livre, avec Anna pour qu'elle l'aide avec ses cours. Et en échange, lui, il va essayer de la caser avec le joueur de football de l'équipe d'université dont elle est, on va dire, amoureuse. Donc voilà, donc j'ai entendu que des bonnes critiques sur ce livre, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux et j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Et là, c'est le bon moment, je le sens, c'est ma prochaine lecture. Donc après les Étoiles de Nos Head, donc là je pense peut-être ce soir, peut-être demain, je commence celui-là et j'ai qu'une envie, c'est de le lire d'une traite. Donc après on va passer aux livres que je n'ai pas encore achetés mais qui sont prévus. Car comme vous le savez, j'achète les livres que je veux lire au fur et à mesure. Je ne suis pas la personne qui a une énorme palle, j'arrive pas à en avoir. Dès que je vois que ça s'accumule, ça me met une angoisse, et une angoisse, je ne sais plus où les ranger après. Donc voilà, je préfère liquider au fur et à mesure ma palle. Donc je vais vous présenter les petites images de ces livres sur mon portable parce que j'ai encore le problème avec mon ordinateur. De toute façon, toutes les infos sont comme d'habitude
en description avec le titre et l'auteur et le nom de la saga, etc. si on a une. Donc le premier des livres que je n'ai pas encore acheté mais que je vais lire pour cette période automnale, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 1 de Ransom Rings, et qui va sortir au livre de poche. Donc je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que j'attendais la sortie au format poche. Parce que je n'ai pas un porte-monnaie à rallonge et que ben, c'est beaucoup moins cher un poche que le format grand. Logique. Il faut à tout prix que je lise ce livre avant la sortie au cinéma. Bon, avant ça sera pas possible parce que le poche sort le jour de la sortie au cinéma de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et donc je vais essayer d'aller le voir, donc pas pour sa sortie mais les jours suivants, après avoir lu le livre. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve un jeune garçon, Jacob il me semble, je ne suis pas sûre à 100%, qui du coup a entendu les histoires que lui racontait son grand-père sur des enfants assez particuliers, une pension assez particulière, et un beau jour, il me semble qu'il s'y retrouve dans cette pension. Et donc comme vous savez, ce livre-ci va être adapté au cinéma par le grand monsieur qui est Tim Burton. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je suis une fan des films de Tim Burton. Et cette histoire-ci, même si c'est pas forcément la même chose, me fait penser à Big Fish, forcément. Big Fish que j'avais adoré de lui parce qu'on navigue entre la réalité et les histoires que le narrateur entendait de son grand-père. Donc ça me fait penser à tout ça. Et Miss Peregrine et les enfants particuliers est un livre que je veux lire et qui est dans ma wishlist depuis énormément de temps. Que je n'ai pas encore sorti, tout simplement parce que j'avais pas l'argent pour l'acheter. Donc c'est pour ça que la sortie poche tombe parfaitement. Bon, je pense, j'avais entendu énormément parler, comme vous, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes BookTube, et qui était vraiment un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Donc voilà, j'ai tout plein de bonnes raisons de le lire à cette période automnale, donc il sera forcément lu bientôt. Donc le deuxième livre que je n'ai pas encore acheté mais qui est prévu, il s'agit du deuxième tome de La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas qui s'intitule Parfum d'automne. Donc j'ai pas trop à vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le choisir. Le premier tome je l'avais lu un peu avant l'été parce que j'avais envie de me sentir en été et puis parce que forcément j'ai commencé à travailler en été donc c'est en partie pour ça que j'ai pas fait de pile de l'été parce que pour moi l'été n'a pas été un véritable été. Donc j'ai pas eu de vacances. Les tomes suivants, j'étais vraiment motivée pour les lire en fonction des saisons. Donc on en a un par saison, logique, et puis le cinquième, je crois, se redéroule en hiver ou un truc comme ça. Donc dans le premier tome, on retrouvait une jeune fille, je me souviens plus son nom, qui était la haute noblesse donc anglaise dans le sultan de la Régence, et qui, le problème, était désargentée. Donc le but de cette jeune fille, c'est d'à tout prix se marier, sauf qu'elle arrive à un certain âge, où elle a fait beaucoup de saisons, où elle est toujours pas mariée, et c'est sa dernière en fait. Sa dernière avant que ce soit trop tard pour trouver un mari. Donc elle est déterminée à trouver donc ce mari. Sauf que bien sûr, les maris de l'aristocratie potentielle cherchent tous des jeunes filles enrichies. Donc elle se retrouve mise au banc avec trois autres jeunes filles qui sont Evangeline et des jeunes sœurs, dont je me souviens plus les noms exactement, qui sont américaines. Donc Evangeline, son problème, c'est qu'elle n'est pas forcément la plus belle et qu'elle bégaye. Et les deux sœurs, c'est parce qu'elles sont tout simplement des héritières américaines. Donc elles sont très très riches, mais elles n'ont pas de titre de noblesse. Donc toutes ces quatre jeunes filles donc, décident de faire alliance parce qu'elles sont toutes rejetées de ces bals et de cette folie de mariage et décident de s'allier entre elles pour chacune trouver un mari. Et parmi tout ça, notre jeune fille, dont je ne me souviens toujours pas du nom, est courtisée par Simon. Simon, c'est justement le type d'homme dont elle ne veut absolument pas, parce qu'il n'est pas un aristocrate. Déjà, c'est un industriel. Donc lui, il a gagné sa fortune, il est très riche d'ailleurs, par la révolution industrielle de cette époque. Il fabrique des locomotives de chemin de fer. Et il est persuadé que... Une fois que cette saison sera passée, comme elle n'aura pas le choix, elle devra forcément finir la maîtresse d'un homme et il veut à tout prix qu'elle devienne sa maîtresse. Donc voilà,
Ensuite, on a eu leur histoire. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire-ci. Je trouvais que c'était vraiment super rigoureux historiquement. J'avais vraiment aimé les personnages, notamment le personnage de Simon qui est assez machiavélique par certains côtés, mais vraiment très doux aussi avec elle. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de découvrir les autres histoires des jeunes filles parce qu'à chaque fois, en fait, on aura une histoire des filles. Donc, le prochain, c'est sur la pluie. Grande des sœurs américaines. Ensuite, le troisième, ce sera l'histoire d'Evangeline que j'ai vraiment hâte de découvrir parce qu'elle m'avait vraiment touchée comme jeune fille. Et donc, le quatrième, donc l'avant-dernier, est sur la dernière des jeunes filles qui restent, donc la petite sœur américaine, dont je me souviens toujours pas du nom, pareil. Donc, dans ce deuxième tome, on retrouve la plus grande des jeunes filles américaines et le Lord qui était le meilleur ami de Simon. Ils se connaissent déjà, puisqu'ils ont déjà évolué dans le même cercle, et sauf qu'ils ne peuvent pas se voir, parce que ce jeune Lord en question cherche une femme, pas une héritière américaine sans titre, etc. Non, lui, il lui faut un titre, bien sûr, et une personne respectable. Il se trouve que la plus grande des sœurs américaines, je ne sais pas son nom et ça m'angoisse vraiment, est en fait assez faux-folle, assez libre d'esprit, c'est une américaine en toute sa puissance, donc elle est vraiment très très libre, elle n'a pas été élevée dans cette société guindée anglaise, et du coup elle est vraiment très libre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle veut, elle détonne en fait. Et ça, je crois que ça va le faire un peu bouger dans ses traditions. Donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Donc le prochain livre est le dernier livre de ma palle d'automne, donc je l'ai déjà acheté. Sauf que je l'ai acheté en numérique parce que j'ai profité des prix Amazon donc de ce mois-ci qui sont vraiment pas chers. Je l'ai acheté à 2,50€ donc pour le format numérique et donc j'en ai profité. Il s'agit de Un moment d'abandon, donc le premier tome des Demoiselles de Spindelnkopf qui est écrit par Tessa Dare. Je vous avais déjà présenté un livre de Tessa Dare, il s'agissait du premier tome des héritières, donc Il était une fois un duc, qui m'avait fait mourir de rire, mais qui n'avait pas non plus été un coup de cœur. J'avais quand même bien apprécié ma lecture, il faut être honnête, et je me suis tentée donc sur sa série la plus connue de Tessa Dare, donc Les Demoiselles de Spindelnkopf. Le pitch ne me tente pas trop, apparemment c'est pas le genre de romance que j'aime beaucoup, mais il y a toujours beaucoup de murs apparemment. Dans cette histoire-ci, un groupe de jeunes gens armés et détachés dans la petite ville de Spindelnkopf où se trouve un couvent pour les jeunes filles un peu libres d'esprit qui sont pas en phase avec la société de l'époque régence anglaise. Ces jeunes filles voient d'un très mauvais œil l'arrivée de ces jeunes soldats qui pourraient mettre fin à leur vie un peu plus insouciante que pour les autres jeunes filles habituelles. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, je trouve que ça sera parfait pour l'automne parce que comme vous voyez la couverture fait vraiment automnale, on a du roux, parce que la jeune fille est rousse, on a du rouge, donc vraiment des couleurs orange, rouge, très très automnale je trouve. Donc voilà, on verra bien, je sais pas, je pars sans a priori négatif ou positif. Donc voici pour les 5 livres que je vais lire forcément durant cette période automnale. Donc ouais, comme vous l'avez lu, c'est vraiment beaucoup de romances. On a de la romance fantastique, paranormale avec les étoiles de Nincent, de la romance pure avec The Deal, de la romance historique avec Un parfum d'automne et le premier tome des Demoiselles de Spindelnkopf. Et ensuite, on a le petit canard qui ne ressemble à rien, c'est-à-dire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais oui, ça sera un automne romantique. Donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi votre propre petit top 5, top 10 de livres à lire pour l'automne, n'hésitez pas à me le dire également. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!